chronique du monde ça. Nous allons aborder ce qui correspond à ce que les Européens ont retranscrit comme nom de famille, c'est-à-dire les Djamou. Les Djamou signifient la lignée patrilinéaire. Ils désignent le clan dont est originaire l'individu. Dans l'histoire des Soninké, les Wago, pluriel de Wagé, est le clan originel qui a effectué la migration avec le patriarche légendaire Dinga, qui fondera avec ses compagnons ce qui deviendra plus tard l'empire du Ouagadougou. Djabé, le second fils de Dinga, prendra le pouvoir à la place de son aîné Sukuna à la suite d'un stratagème. Djabé est l'ancêtre des Cissé, qui deviendra la première dynastie royale du Ouagadougou. Les Cissé sont l'un des Djamou Mandé Mori, c'est-à-dire les marabouts du Mandé. D'ailleurs, leur réputation est telle que le nom Cissé devient un titre, et c'est la raison pour laquelle certaines familles Peul ont pris ce Djamou. Ils font partie des clans qui enseigneront l'islam à l'instar des Djané, Touré et Bérété. C'est par le biais du commerce et de la religion que ce Djamou va se répandre dans la sous-région. Il y a aussi un autre clan très important comme catalyseur de la culture mandingue chez les Soninké. Ce sont les Touré. Tout comme les Cissé, ils sont aussi un clan maraboutique. Ils font aussi partie des descendants de Dinga. D'ailleurs, le dernier empereur du Ouagadougou fut Djami Touré. C'est le Djamou Soninké le plus répandu dans la sous-région ouest africaine. Ce clan a réussi à prendre le pouvoir dans les régions où il s'est installé à plusieurs reprises, que ce soit pour le Ouagadougou ou encore avec la dynastie des Aska, avec l'empire Sonral. On va passer à présent au clan des Manaké. Les Keta, qu'on appelle aussi Mansaren, les enfants du roi, remasterisés par les colons sous le nom de Keita, à l'origine, les Keita sont des Konaté. En effet, Keta signifie en mandingue « prends ton héritage ». On demandait à Sundiata, qui était en exil, de revenir sur le trône et de reprendre son héritage face à Sumaworo. D'ailleurs, quand Angeli s'adresse à Keita, il le désigne comme un Konaté. Les Keita dirigent la communauté et travaillent la terre. Le prestige des Keita vient de la célèbre épopée de Sundiata, le fondateur de l'Empire du Mali. Avec la charte de Kurukan Fuga, il va organiser la vie entre les différents clans. C'est pour ça que les Keita ont des liens avec de nombreux clans. Leurs synonymes sont les Konaté, les Mansaré et les Tereta. Par exemple, un Keita ne peut se marier sans la présence d'un Kanté ou d'un Kuyaté, ce qui montre les liens forts qui l'unissent entre ces clans. Les Kuyaté sont un clan de Djeni, que les Français désignent comme griots. Ils sont des gens de caste et ont le titre de maître de la parole. Ils sont artistes, diplomates, conseillers et historiens. Ils détiennent l'histoire des clans. Les liens entre les Kuyaté et les Keita se sont renforcés avec l'épopée de Sundiata Keita. Les Kamara sont un autre clan malinqué. Ils avaient fondé deux royaumes avant l'épopée de Sundiata. Le Sibi, qui est au Mali, et le Taboun, qui est situé en Guinée. D'ailleurs, c'est dans la région de Sibi que se dérouba l'assemblée de Kurukan Fuga, qui créa l'Empire du Mali. C'est un clan qui a joué un rôle militaire important dans la domination des Mandingues du temps des grands empires jusqu'à la colonisation. Leurs synonymes sont les Maras. Les Boula sont un groupe regroupant différents clans. Sissoko, remasterisé Sissoko par les colons, Dumbuya, Kuruma, Bakayoko et les Kanté. D'ailleurs, Sumaworo Kanté est issu de ce groupe. Son clan à l'origine Soninké s'intégra chez les Boula dans le Soso en Guinée et acquit la maîtrise du feu et du fer, jusqu'à prendre la tête du royaume Soso. Les Boula sont des maîtres forgerons, qui est la tribu de leurs ancêtres. Les Boula ont joué un rôle décisif dans la victoire de Sundiata. Sans leur apport militaire, Sundiata aurait beaucoup de mal à vaincre Sumaworo. De par leur fonction de forgeron, ce sont essentiellement des clans guerriers. Mais leur credo ne les pousse pas à courir derrière le matérialisme. Ils défendent une certaine intégrité. On va passer à présent au Djamou Bamana, qu'on peut traduire comme les insoumis. Les clans Bamana ont été les derniers à s'islamiser. Les Koulibaly sont des fiers défenseurs de l'identité Bamana. D'après une plaisanterie, les Koulibaly et les Keita sont des frères. Celui qui parviendra à prendre le contrôle au sommet de la colline prendra l'héritage. Koulibaly désigne le frère qui n'a pas pu monter dans la colline, tandis que Keita désigne celui qui a pris l'héritage. Les Djara, un autre clan militaire, d'ailleurs leur nom signifie lion, ce qui prouve qu'ils sont considérés comme de redoutables guerriers. Ils sont liés par la plaisanterie avec les Koulibaly qui historiquement sont leurs plus grands rivaux. Ils ont de nombreux synonymes comme Kondé, Koné et Njaï. Le dernier grand clan est Traoré. Ce nom a été déformé par les colons. C'était les Taraoré,
Son djamou féminin est Dembélé. Les Traoré sont un grand clan bamana qu'on retrouve aussi chez les Malinké. C'est un clan qui s'est agrandi durant les différentes phases d'expansion militaire, notamment à l'époque de l'Empire du Mali. L'histoire de ce clan est connue à partir de l'ère de Tiramakan, qui était le général de Sundjata. Il est le fondateur de ce djamou, celui dont tous les Traoré se réclament. Ils s'occupaient de l'encadrement militaire dans cet empire. Ils ont aussi de nombreux synonymes, les Niaré, les Nakate, Ouattara, Ouedrago et même Djerp chez les Wolof, ainsi que les Diabaté. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine chronique qui abordera les alliances entre les clans et les castes mongoles. A très bientôt, j'espère.